Vous êtes combien dans la famille, tu m'as dit? Ouais, on est 25, hein, à peu près, t'as vu. Les chiffres ronds, chez nous, on dit ça porte malheur, tu vois, donc... C'est dans ces environs-là, sûr. Bon, aux alentours. Non, 25. Ouais. 10 garçons et 15 filles à peu près. 10 garçons, 15 filles. Voilà. Ouais. C'est un truc de dingue quand même, non? C'est ça, il était très fort, mon père. Ah, super fort, ouais. Très, très fort. Donc, comment ça se passe au quotidien? Bah, on gère, hein. Tout le monde s'apprécie bien? Quand on était petit, c'était beaucoup de bagarres, mais comme il y avait toujours les grands frères qui étaient là pour gérer, et voilà, quoi. Ça se gérait, quoi. On a appris à bien se connaître. Et puis, aujourd'hui, on serre beaucoup les coudes. Et puis, c'est vraiment une chose que j'aimerais faire, quoi. Plusieurs enfants, tout ça, là. Parce que ça met du plomb dans la tête des parents et ça met du plomb dans la tête des enfants. Parce qu'ils voient qu'il faut jamais abandonner les frères et mon père, moi. Parce qu'il y a des familles qui se dissout et tout. Mais nous, mon père nous a toujours dit, rester ensemble. Faut s'éparpiller, toujours être soudé, tu vois. Il nous a fait comprendre, voilà, quoi, tu vois, que tu casses pas trois bâtons d'un coup comme ça, un par un, d'accord, mais d'un coup, tu peux pas, tu vois. Il nous a expliqué d'une bonne manière, philosophiquement et avec une bonne poigne. Iron, il est pas dans tes magazines, en starco, les marmots m'imaginent.